Donc, bonjour tout le monde, moi c'est François avec Boris, on fait partie de l'équipe d'entraîneurs ici à l'aquarium avec entre autres les morses. Quand on pense aux morses, la chose qui est caractéristique pour les morses généralement, c'est les défenses. Mais une autre chose qui est vraiment symbolique, qui est très forte comme caractéristique pour les morses, c'est leur vocalise. Les morses, c'est les guinea-pigs, donc les phoques, les morses, les otaries, les éléphants de mer. Les morses, c'est ceux qui vont vocaliser le plus. Pour différentes raisons. Donc, soit pour effrayer les prédateurs, défendre le territoire, se reconnaître entre eux. Donc, c'est toutes des raisons qui vont faire que les morses vont communiquer. Boris, qui est notre mâle adulte, les mâles, c'est ceux qui communiquent le plus dans la nature, est capable de faire différents sons que je vais vous présenter. Vous remarquerez à mesure que je vais présenter les sons, je vais faire un son avec ma bouche qui est le doux. Ça, faites-en pas de cas, c'est juste que Boris, c'est son signal que ce qu'il a fait est bien, qu'il va avoir une récompense qui s'ensuit. Ok, prêt Boris, on commence. Hey! Oui! 9. 7. 7. Pop! Good! Pop! Gazou! Way! Good! Gazou! Le prochain est plus discret, peut-être que vous ne l'entendrez pas très bien, mais remarquez ici, il va se gonfler. Écho. Voilà pour les symboles.